ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler petite revue et petite idée cadeau de Noël, notamment sur les produits que vous pouvez retrouver dans les magasins Zodio. Parce que comme vous le savez, je suis ambassadrice bien-être pour le magasin Zodio de Massy que je représente. Donc j'ai quelques petits produits à vous présenter et j'intégrerai des petits morceaux de vidéo pendant que je vous parle et un petit peu à la fin pour vous présenter un petit peu les coffrets de Noël et puis faire un petit tour dans le magasin. Donc on va commencer par des petits produits de la marque Scottish Fire & Soap qui se présente comme ceci. Donc je vous avais posté la photo sur Instagram. Oui, c'est une marque britannique, donc je trouve le packaging vraiment très joli, notamment pour le petit beurre pour le corps. Donc celui-ci, c'est un gel douche parfumé pour le corps, c'est le Bohème. Donc vous pouvez retrouver ces petites choses-là en petits coffrets et pourquoi pas en faire des petits coffrets avec ce que vous voulez y mettre dedans chez Zodio. Donc je trouve que le parfum est quand même relativement discret, c'est un parfum quand même qui fait très femme. Donc peut-être que pour les adolescentes, ça ne conviendra pas. Je trouve que c'est quelque chose qui fait quand même relativement femme. Et ça mousse très bien, ça se rince très bien. Il ne contient pas de parabènes, voilà. Il n'y a pas de parabènes à l'intérieur. Donc je trouve que c'est vraiment, c'est girly et tout. Et le petit pot qui est magnifique en tout ensemble avec la petite étiquette. Le dessus du pot, comme vous le voyez, il est, je vais essayer de vous le faire voir. Vous voyez, il est ciselé avec un genre de nœud de fleurs vraiment très très joli, un petit peu rose. Et ça, c'est une crème moirée Body Lustre, pareil, toujours dans la gamme Bohème. Donc, ça se présente comme ça, un petit peu comme une crème soufflée. C'est légèrement, mais légèrement irisé. Très, très légèrement irisé. Donc, moi, je trouve ça très sympa pour les fêtes ou pour les soirs où vous avez une petite soirée ou les soirées d'été. Ça peut être sympa aussi quand vous avez une petite robe. Et ça sent très bon. Ça sent, je trouve que le combo des deux est vraiment génial. Donc vraiment ça, je vous le recommande parce que j'ai vraiment une très belle découverte. Ensuite, il y a la même chose en petit coffret pour hommes. Donc je crois, ça, je me rappelle du prix, c'était 17,95 €. Donc c'est un joli coffret comme ceci qui se présente pour hommes. Et à l'intérieur, je vais vous l'ouvrir. Voilà, ça se présente comme ça. Donc les messieurs ne sont pas oubliés. C'est un joli coffret, je trouve, qui est vraiment très sympathique. Mon mari et mon fils ont été les cobayes pour tester ce petit coffret. Donc à l'intérieur vous avez un petit savon, vous avez un lait pour le corps, une crème pour les mains et à l'arrière un gel douche. Donc moi j'ai essayé la crème pour les mains parce que je voulais voir l'odeur que c'était. Au niveau de l'odeur, le gel douche mousse très bien. Le lait pour le corps est relativement hydratant, pas trop trop mais quand même hydratant. Donc je vais vous faire voir un peu la texture de la crème pour les mains. Donc elle se présente comme ceci. Au niveau de l'odeur, je trouve que ça sent un peu, parce que c'est au lait, donc c'est la même marque, ce Scottish Fine Soap. Donc au niveau de la crème pour les mains, je trouve que au niveau de l'odeur, c'est pas évident à décrire les odeurs comme ça en caméra, la crème elle pénètre très rapidement dans les mains, elle laisse pas de film gras sur les mains, donc ça c'est un super bon point. Et je dirais que au niveau de l'odeur, ça sent tout simplement le savon pour homme. Le savon pour homme et un petit peu le lait. Donc vraiment ça pour les messieurs. Je pense que si vous ne savez pas quoi offrir aux messieurs, ça peut être très sympa. Donc aussi, il faut savoir que cette marque n'est pas testée sur les animaux. Donc ça, c'est un très bon point pour les personnes qui y font attention. Donc comme je vous le disais, ce sont des produits qui sont fabriqués au Royaume-Uni, en Écosse. Voilà, la peau elle est déjà toute pénétrée et ça sent, oui, ça sent un peu le savon, ça sent un petit peu le propre. Donc je trouve que c'est une jolie idée de cadeau pour les messieurs. Donc c'est le Luxurious Gift Set, mon anglais et moi, hein. Le Luxurious Gift Set de la marque Scottish Fine Soap. Donc ça pour les messieurs, je crois que c'était à 18 €, donc ça peut être un petit cadeau très sympathique. Il y avait un petit savon aussi que je voulais vous présenter, que je n'ai pas encore utilisé parce que je voulais vraiment vous garder le packaging et je trouve que c'est vraiment, ça fait vraiment Noël. Donc là c'est de la marque Castelbel Porto, c'est un savon qui est à la vanille épicée. Mais regardez-moi ce packaging, comment c'est trop joli. Je crois qu'il était à 5 € celui-ci, donc pour offrir il y a un petit renne dessus avec une petite étiquette. Donc je trouve ça vraiment super mignon. À travers le plastique, à travers le papier, ça sent déjà très très bon.
Donc vraiment, ça peut être un petit cadeau, une petite idée de cadeau très sympathique. Ensuite, on va passer à la marque Baïja, puisque la marque Baïja est présente dans les magasins Zodio et il y a une très grande gamme de choix de produits dans cette marque-là. Donc moi, j'ai choisi trois petits produits à tester. Donc il y a une huile pour le corps et le bain qui se présente comme ceci. Donc c'est une huile que vous pouvez mettre dans l'eau du bain. Donc moi, je l'ai essayé dans l'eau à bain de pied. Et ben c'est pas mal, on a les pieds qui sont quand même un petit peu repulpés et puis un petit peu nourris après. Je l'ai essayé sur le corps, elle est très nourrissante, elle est très agréable à utiliser au niveau de la texture. Après je reparlerai de l'odeur pour les trois produits. Donc elle est très efficace au niveau de l'huile et au niveau de la texture et au niveau du confort. Ensuite, il y a un gommage aux petits grains pour le corps qui se présente comme ceci. Donc ça, c'est les anciens conditionnements, il me semble maintenant, ils sont en petits pots en verre. Donc ça se présente comme ceci. Vous voyez? Donc au niveau de l'exfoliation est là, ça gomme très très bien. Il marque petits grains, moi je trouve que les grains ne sont pas si petits que ça. Moi je l'ai utilisé essentiellement que sur les jambes, puisque du coup comme j'ai encore les cicatrices sur le corps, sur le ventre, je vais éviter de m'abîmer les cicatrices. De gommer les cicatrices. Donc je l'ai fait sur les bras et sur les jambes. Il fait très bien son job. Donc ça, au niveau de la qualité du scrub, ça je ne pourrais que vous le recommander. Et ensuite, on va passer au beurre tendresse pour le corps qui est toujours dans la gamme Baïja. Donc ça, c'est un petit conditionnement, mais il y a aussi le gros pot qui est en pot en verre et je trouve qu'il est beaucoup plus joli pour offrir. Donc ça permet vraiment de tester le produit. Donc ça se présente comme ceci sous forme de beurre. Donc le beurre est très très nourrissant, il est très agréable à utiliser. Alors, au niveau des trois produits, pour l'efficacité des trois produits, je donnerai une très bonne note parce que ce sont des produits très efficaces qui sont très agréables à utiliser. Le seul bémol, c'est que moi, l'odeur ne me convient pas du tout. Je pensais justement au contraire que le miel caramélisé m'aurait plu et je déteste l'odeur, j'ai horreur de l'odeur. Donc je vais les finir puisque ce sont des produits que je teste. Je vais les finir, mais c'est pas une odeur que j'aurais peut-être préféré du coup celle qui est au monoï ou quelque chose un petit peu plus fleuri finalement. J'ai voulu prendre quelque chose de gourmand pour la saison et finalement le miel caramélisé, ben, j'accroche pas du tout. Donc, mais au niveau de l'efficacité des produits, ce sont de très bons produits. Ensuite, on va terminer par une marque qui est un petit peu plus adaptée aux adolescents ou aux jeunes filles. Je dirais c'est la marque Compagnie de Provence parce que les packagings sont vraiment très jolis. Donc les packagings sont vraiment très sympas, ça fait très jeune, très fun, très voilà. Et pour ma part, j'avais choisi donc le soin douche extra pure figue qui se présente comme ceci. Donc on voyait ça a déjà bien descendu parce que je l'aime beaucoup. Et c'est un gel douche qui est fait, donc ce sont des produits qui sont fabriqués par la marque Compagnie de Provence, qui sont des produits français, c'est made in France, à petit prix, donc ça je trouve ça génial. Ce sont des produits qui sont fabriqués à Marseille, a priori. Donc le gel douche, donc il y a je sais pas combien de senteurs, vous le verrez dans les images dans le magasin. Le gel douche, il est enrichi en extrait d'amande et de parfum de figue. Donc on sent l'amande et la figue, ça sent très très bon, ça mousse très bien. L'odeur reste quand même relativement longtemps sur les bras, enfin sur le corps après la douche. Et en combo, il y a une petite crème pour les mains qui paraît que j'ai pris en extra figue, qui est normalement que pour les mains. Moi, je l'ai mis sur la totalité du corps, je l'ai mis sur les jambes et sur les bras et sur les mains. Ça pénètre très rapidement dans la peau, l'hydratation est correcte. Donc vraiment, et le combo des deux, vous êtes parfumé jusqu'au lendemain matin si vous prenez la douche le soir et au moins une bonne partie de la journée si vous prenez la douche le matin. Donc ça, vraiment de tout petit prix et ça, je vous le recommande parce que c'est vraiment tip top. Et il y a le petit savon aussi qui est du savon extra pur qui est à la figue également. Donc c'est un savon qui est à base de savon de Marseille et qui est composé d'huile végétale. Donc je ne l'ai pas encore testé mais à travers le packaging, je peux vous dire que ça ne sent que très bon puisque j'ai déjà deux savons en route donc je ne veux pas en ouvrir d'autres. Mais ça sent très très bon et c'est pareil au niveau voilà, ça sent très bon. Au niveau de la choix, la gamme de parfums, je vais y arriver, hein. La gamme de parfums est très étendue au niveau, c'est très coloré, il y a énormément de produits dans cette gamme-là aussi.
Donc vraiment, si vous vraiment voulez découvrir ces produits et pourquoi pas offrir des produits de cette marque que vous pouvez retrouver chez Zodio pour Noël, n'hésitez pas à aller vous rendre dans les magasins Zodio, de demander des belles compositions. Vous pouvez en avoir à pour tous les prix, à tous les budgets. Vraiment, vous pouvez demander vraiment ce que vous voulez dans les magasins Zodio. Les animatrices magasins et les vendeuses en rayon seront ravies de vous faire de très très jolis coffrets. Donc n'hésitez pas à aller voir parce que je trouve que c'est des produits qui sont pas très chers et qui sont relativement de très bonne qualité. Donc moi je vais vous laisser tout de suite avec les images du magasin et puis des petits coffrets de Noël un petit peu pour vous présenter tout ce qui se passe en ce moment dans les magasins audio. Et puis bah, nous on se retrouve pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien. Ciao ciao!